Dominique. Quinzième, 15e, 15e, 15e.
Bonjour.
comme on a dit à la fin, bien content de rebâtir une balise. Je pense qu'on aura rapproché de certaines des centaines de mètres de balise sur ce mesure. Alors voilà donc en tête de la course le coordinateur Eddy Lefebvre qui pour l'instant a pris le lead correctement dans un second course. Il a on va dire amorti un peu une permette de partir au moment où Eddy Lefebvre est revenu sur ce coureur pour tout à l'heure on l'a vu juste avant la moto qui a fait une super attaque sur ce garçon dans le grand pour le Vicenzo de quelques mètres. Alors dans le temps d'absence, le passage de la tête de course au niveau de Pierre, puisque je vous disais, il y a un peu de 100 mètres de l'avantage sur le rapproche de l'homme de tête, hein, je crois pas du tout, en tout cas, il va bien, regarde comme il relance là-bas, tout va bien pour lui, pour l'instant, en tout cas, ça progresse, allez, vous allez, du côté de l'Ouest, je crois qu'il y a un peu plus de 22 secondes maintenant, donc des écarts qui vont être relativement importants, est-ce qu'on va peut-être revenir avec maintenant, et en gros, donc, à la poursuite de l'homme de tête, et je vais avoir une descente des écarts dans quelques instants, donc quelque chose, ça a monté hein, au niveau des écarts, ça on l'a dit. De toute façon, on retrouve un petit peu plus loin Sébastien Gelter de la Gironde, qui rendra ici en face une bonne canonisation. Donc nous trouvons ici pour commenter. Donc allez, c'est pas du tout possible. Très bien parti, bien sûr, pour aller ceci, il va falloir tenir. Donc juste derrière, on retrouve la même. Donc nous avons le tenant du titre, qui accuse de 9 secondes. Ah, ça commence à être relativement important maintenant, mais bon, en tant que la ligne est en principe tout reste possible, on l'a déjà vu. Donc depuis hier, également, on a assisté à de très très belles courses. Voilà donc pour les coureurs que nous allons retrouver dans quelques instants, l'homme de tête toujours donc. Délégation d'Inde, on vous retrouve derrière en deuxième position. Donc, Yohann Gros, le tenant des titres, ici sur cette terre, la famille de lui, de la Charente-Maritime. Et Yohann, il est pas loin! Position, donc, ici, sur le départ, c'est bon, voilà, bonne bataille. En tout cas, ici, on vous a pas passé. Allez, on commence sur la machine, il faut tout de suite relancer, donc, le petit développement qui commence par la tête. Voilà, donc on va retrouver tout à l'heure l'homme de tête. Si je ne dis pas de bêtises, ça va être national également. Donc, Armandon qui est présent avec nous, donc, qui prendra tout à l'heure la parole. Des délégués également, et bien sûr, des militants. Merci. Merci au public, bien sûr, j'en profite pour remercier le. Je les ai poussés, on ne va pas s'embêter. Allez, sérieusement maintenant pour l'homme de tête. Il ne cesse de creuser les écarts, semble-t-il. On va voir justement l'écart dans quelques instants. Allez Nicolas, tu te vois.
48 secondes. Voilà, dernier écart ici, mais je vous demande de les encourager, d'encourager donc pour l'instant en deuxième position. Émission. Voilà donc pour les positions ici, un tour de l'arrivée. Ah, il est gentil, vous, le monsieur. Il s'en fait pas, beaucoup, il n'y a pas de problème. On se trouve en quatrième position, il est toujours en quatrième position, le Lot-et-Garonne, donc Dylan Balage également, qui vient de passer ici devant nous. Allez, je pense qu'on va se retrouver dans quelques instants avec le dernier jingle partenaire pour les remercier une nouvelle fois. Donc ici, un grand merci à tous ces partenaires. Les partenaires de ce championnat national UFODEP de cyclo-cross sont la région Nouvelle-Aquitaine, le département de Charente-Maritime, Bigoudi, Coiffure, The Fun Bar, Sour, One Club, Restaurant Barre-Jance, l'hôtel Restaurant de la Place, Super Délire, La Visite, Saint-Denis, Les Loisirs, Picard, Océan Beauté, Sur le Corps, voilà, merci encore une nouvelle fois à tous les partenaires. On va retrouver dans quelques instants la tête de course. On va voir au niveau des écarts sur le 48 secondes. C'était beaucoup que l'on retrouve seul en tête. On va voir si c'est toujours avec seront en tête à la sortie là-bas de cette dernière difficulté, on va dire. Il y en a d'autres sur le circuit, mais la bosse là-bas où il faut effectivement monter le vélo sur les pentes. On va voir donc on va retrouver, ça y est, il est juste en face de nous, l'homme de tête donc, et il est fèvre du Nord, allez le vélo sur l'épaule, alors, un très bon rythme sur la semaine. Au même endroit, il a pris ses habitudes également, alors qu'il possède 51 secondes d'avance sur l'enfant du pays, le devant du titre, Johan Gros, de Charente-Maritime. Donc il était tout à l'heure en deuxième position. On va voir donc ce qu'il va revenir ici en face de nous. Donc pour allez, Thibaut, le allez. Pouvoir, on va attendre quelques instants. Allez Thibaut, allez. Donc il arrive, il est là, il est là, il est là, donc on l'aperçoit également, donc devant son public, sur cette terre, 40 secondes, allez, il a repris, en tout cas des secondes, mais ça va être difficile maintenant d'aller rechercher la défaite, et pourtant, il fait parler la puissance, en tout cas, donc pour Johan Gros, donc, qui relance un petit peu d'allure, mais on retrouve là-bas, donc, Eddy Lefebvre, donc, qui est en tête. On va l'accueillir tout à l'heure, comme il se doit, nous allons accueillir le dernier podium champion national, 30-39, Eddy Mesdames et messieurs, l'enfant du pays, la Charente-Maritime, Johan Gros. Également donc, ici par tout le public, faites du bruit pour la famille Gros. Le troisième, Sébastien Jacquin, la Gironde. Des applaudissements pour tous les coureurs qui terminent. Voilà, tout à l'heure, donc, nous retrouverons ici les coureurs. On va les appeler rapidement parce qu'ensuite, il faut qu'ils aillent à la douche, bien sûr. Et après, on se retrouvera à la cérémonie protocolaire. En tout cas, nous avons assisté à un magnifique championnat national sous l'œil. Rien, tout simplement. Merci à toi, Eric, de ton aide. Il est costaud, hein ? Oh, j'ose même pas... Allez, on va retrouver, voilà, ces coureurs qui en terminent, appuyé à côté du vélo. Ouais, 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 bravo, 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 on peut les applaudir très, très fort. Voilà, on applaudit les champions, on oublie les autres, en tout cas.
les oublier. Ils ont tout donné. Cette ligne, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements. Premier et dernier podium. Poignée de main entre tous les coureurs, on peut l'applaudir. Oh, Sébastien, en tout cas, quelle belle lutte donc de la part de tous les coureurs et surtout sur la tête de course. Ouais, bah oui, toi. Ouais, comme au cercle, comme ça. Bon, quand il m'a. J'ai pas pu le suivre. Je me suis pris un piqué, j'ai raccroché ma chaussure. Il fallait que je m'arrête. Et puis après, ça a été l'autre côté. Ça a été sympa. Donc, mais bon, après, beau circuit et un temps de cyclocrossman. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. C'est vraiment un circuit donc digne d'un grand cyclocross. Ouais, exact. Eh oui, mais on est dans une famille, en tout cas, qui aime le cyclocross. On l'applaudit très fort. Je passe devant vous, donc, ici, mesdames et messieurs, avant de lui tendre le micro, je vous demande de l'applaudir, Johan Cron, Charles-Maritime. Johan, raconte-nous tout ce qui s'est passé. Ben, un bon départ, et puis après, pas les grandes jambes. Bon, ben... Je croyais qu'il y avait eu un problème, excuse-moi de te couper. J'ai dit à un moment, tiens, oula, il a reculé, peut-être un problème mécanique, ça peut arriver aussi. Eh ben non. Non, non, le seul problème, c'était les jambes. Voilà. Bon, on prend ça, mais c'est vrai qu'on est sur ces terres, on est sur son circuit qu'on connaît, on va dire, parfaitement, en tout cas. C'est dur ou... Bon, bah, après, il y a plus fort, il y a plus fort. Oui, bah après, je pense que de toute façon, c'était dur pour tout le monde aujourd'hui, mais voilà, il était plus fort, il n'y a pas de regret. En tout cas, félicitations, on peut l'applaudir très très fort, l'enfant du pays. Et le champion national, les couleurs du Nord, et du Lefebvre. Moi, je serais affûté comme ça, je marcherais. Hein. Oui, bon, j'ai encore du boulot. Ah, je passe un petit peu devant vous. Donc, les impressions sur le parcours, comment s'est déroulée ta course? Ouais, c'était très dur, voilà, c'était, fallait pas faire d'erreur, fallait vraiment pas s'affoler. Et bon, les deux collègues étaient quand même costauds, j'ai laissé faire et bah, au moindre erreur, bah, j'ai tenté ma chance et ça marchait. Voilà, on a préparé cet objectif. Oui, bah, des années avant, à chaque fois que je venais, j'étais pas loin mais j'avais pas et là ouais, j'ai vraiment préparé pour gagner et ça a marché. Ouais, ça a marché en tout cas, félicitations. Je voulais savoir simplement qu'est-ce que vous utilisez. Ah moi je suis comme ça moi. Au niveau du braquet, grand plateau, qu'est-ce que tu as? Excusez-nous. Hein. Ah, mon grand plateau j'ai le 44 mais bon 44 mais d'ailleurs en croisé et sur la fin je finissais sur le petit 38 parce que bah, c'était tellement physique que c'était dur. Grand plateau, qu'est-ce que tu as? 44. 44. Et toi, Johan? 46. 46. Ah, comme Mathieu, hein, c'est ça. Ah, ben, ça ne s'improvise pas, en tout cas. Voilà, donc, mais aujourd'hui, je crois qu'il fallait, voilà, le président de l'UFOLEP national, donc, Arnaud Jean qui remet ce maillot de champion national, donc, Annie Lefebvre, du Nord, la fête. Voilà, la poignée de main, donc, du président de l'UFOLEP national, Jingle, mesdames et messieurs. Travailler, c'est-à-dire un peu plus. Merci à toi en tout cas, voilà, là aussi, avec le sourire, tout ça se termine. On va terminer également, bien sûr, les coureurs arrivent, on ne les oublie pas et on les applaudit très fort. Merci donc également donc à vous en tout cas, un grand plaisir d'avoir travaillé avec vous, enfin ou pas d'ailleurs parce que c'était compliqué, mais bon. Merci à Fred, merci à Olivier également, qui était au niveau de la régie.